Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode 18 sur Uncharted 3, l'illusion de Drake, dans la dernière vidéo. Vidéo très courte, par rapport à d'habitude. Puisque le chapitre, finalement, n'a duré 5 minutes, hein, en tout et pour tout, on va dire. Et d'ailleurs, je me suis trompé dans l'annonce du numéro de l'épisode, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc rectification, là nous sommes bien dans la 18e vidéo, donc sur ce Uncharted 3, et si vous vous souvenez, eh bien on avait, par inadvertance, on va dire, détruit l'avion, et on avait réussi à s'en sortir en, en rattrapant plutôt une grosse caisse de provisions qui était attachée à un parachute, qui du coup nous a permis de ne pas mourir. Donc ça, c'était bien... c'était la bienvenue. Mais maintenant, on se retrouve... Bon, plein milieu du désert, les amis. Sans armes ni rien. Avec l'avion... écrasé en... Reste calme. En ligne de mire. Allez à l'épave, voir ce que je trouve. Peut-être de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un mirage? Que se passe-t-il? Parfait. C'est parti. Ok, donc là, on peut diriger Nate, du coup. Donc c'est à nous de le diriger et bon évidemment on a récupéré une arme, vous avez pu le voir. Et là encore une nouvelle fois hein, comme dans le dernier chapitre, là c'est vraiment très cinématographique. Je dirais que cet épisode là est un peu plus cinématographique que le deuxième opus qui déjà lui avait eu une idée de... de direction artistique déjà autre que le premier opus hein. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lequel le deuxième opus est un des si ce n'est le préféré des joueurs qui adorent Uncharted. Donc là, on voit, hein, il marche, on voit le temps se passer. Ça doit faire au minimum un ou deux jours qu'il est en train de marcher. Vous imaginez, sans eau, sans nourriture, ni rien. Et au loin, on a l'air de voir un petit truc. Mais est-ce que c'est un mirage ? Ok. Je hais le sable. Bah ouais, tu m'étonnes, là, il n'y a rien, quoi. Essayez de vous mettre à sa place. De l'eau. Ouais, de l'eau. En plus, il doit faire une chaleur étouffante. Un puits. Ah. Oh, merci. Ok, un peu de nerf. Je m'en fous qu'elle soit fraîche ou pas. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Nom de Dieu. Bah ouais. C'est à sec. Oh merde. Bah ouais, il fallait s'en douter.
Limite, il aura plus de chances de trouver du pétrole que... que de l'eau dans ce gros désert, là. Donc là, bah... il n'y a plus qu'à continuer droit devant. Hein. Il essaie de se repérer les étoiles. Où est-ce que t'es ? Allez, Nate. Et là, c'est Orion. Voilà la grande ours. Merde. J'aurais dû être marin. Et oui, parce que souvenez-vous, celui-ci, c'est... bah, il a été dans la marine ou je sais plus dans quelle corporation. Et du coup, lui, il sait... Il sait se repérer avec les étoiles et puis du coup, il a, entre guillemets, la carte du ciel où trouver la cité secrète. Et là, on a l'impression de voir celui-là au loin. Mais vous vous doutez bien que c'est certainement un mirage, hein. Ah tiens, le palmier. Qui dit palmier, dit peut-être... Oh, de la flotte, mon gars. Je vais continuer. Je vais continuer. Ça me rappelle vraiment un... Ça me rappelle vraiment un album de Tintin. Dans ce tas de pierres. Pour ceux qui connaissent Tintin, évidemment. Attends. Ah. Fils de l'homme, tu ne peux le dire ni le deviner. Ah bon, on est revenu sur nos pas. Car tu ne connais que quelques images brisées. Où le soleil tape et l'arbre mort ne protège pas. Le criquet ne soulage pas et la pierre sèche ne se fait pas l'écho de l'eau. Merde, je tourne en rond. Merde. Bordel, Nate. Trop con, trop con, trop con. Un petit peu d'ombre. Ça sera toujours ça de gagner. Il n'y a d'ombre qu'en dessous de ce rocher rouge. Viens donc à l'ombre de ce rocher rouge. On entend Marlowe parler, mais évidemment, hein, c'est une mise en scène. Et ça se trouve, c'est des pensées que nous entendons dans la voix de... Enfin, dans la tête. Et tu verras quelque chose de différent. Dans la tête de Nate. De ton ombre qui le matin se promène derrière toi. Hein. Ou de ton ombre qui, le soir, surgit pour te retrouver. Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière. Très bien. Alors, on va continuer. Donc, autant il fait très très chaud en journée, mais le soir, il doit cailler à mort. Ah, c'est le choc des températures hein, dans le désert. Je vais m'allonger. On va s'allonger. Ah ouais, non, là, c'est... Faut pas dormir, faut pas s'allonger, faut pas s'arrêter, faut... Là, faut continuer. Mais bon, le pauvre, il est à bout de souffle. Il est au bout de sa vie. Et que fait SOS Médecin ? Nate !
Sully. Nate. Sully. Debout. Aide-moi. Viens, donne-moi la main. Je t'ai cherché. T'étais où? Je sais pas depuis quand je suis là. Je crois. Sully? Okay. Ouais. Hallucination, évidemment. Je peux le faire. Et là, on se demande comment il va faire pour s'en sortir au final. Hein. Car je vous le rappelle, le convoi a toujours de l'avance. Allez. J'y suis presque. Sully? Ah, une ville. Est-ce que ça serait pas un mirage encore? Oh, merci. Un village. Bon, ça a pas l'air d'être un mirage. Non. Mais... Ah putain. C'est une ville fantôme. Et le campement, chapitre 19. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là, les amis. Encore une vidéo assez... assez courte, hein, malgré tout. Mais voilà, là on approche vraiment de la fin du jeu, et voilà, là, le but du jeu, c'est évidemment de retrouver la trace de Sully, et vous vous doutez que si le chapitre s'appelle le campement, et c'est que c'est une ville fantôme, mais... qui ne sera pas aussi fantôme que cela. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et en activant, bien entendu, les notifications pour être au courant de la sortie des vidéos et du début des lives. Hein, puisque, je vous rappelle, les lives se font principalement le lundi soir à partir de 8h30-9h. Et... en période de confinement, je propose des lives assez régulièrement en ces derniers temps, que ce soit en après-midi ou en soirée. Donc, n'oubliez vraiment pas d'activer les notifications pour être au courant du commencement des lives pour venir m'y rejoindre et... pour converser en direct. Et puis je vous invite également à aller voir les autres playlists de la chaîne. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt, les amis. Allez, ciao ciao.